Marion? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Lâchez-moi. Je suis perdu et ma femme a disparu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolée, je suis vraiment pressée. Non, mais vous êtes vraiment la seule personne qui puisse m'aider, s'il vous plaît. Merci pour le café, c'est gentil. De rien. Quand je me suis réveillée ce matin, ma femme n'était plus là, ni dans le lit, ni dans l'appart. Donc après l'avoir cherché partout, j'ai eu une sorte de vision. Vous vous apparaissiez et disiez que vous alliez m'aider. J'en ai eu une nouvelle où j'ai vu votre immeuble et votre interphone. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est les seuls souvenirs que j'ai. Vous pensez que vous pouvez m'aider à savoir ce qui se passe et savoir qui vous êtes? Oui, je connais votre femme. En revanche, je sais pas pourquoi elle a disparu. Je suis sa collègue de bureau. Peut-être que hier, elle est restée un peu plus tard travailler, je sais pas. Vous vous rappelez de rien? Pour tout vous dire, non, pas vraiment. Je me souvenais même pas qu'elle avait un travail. J'ai l'impression que tout ça me faute dans ma tête. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, en fait, à certains moments de ma vie, ils se sont comme effacés. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Au fait, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle était peut-être restée à son travail. Vous pensez qu'elle y est toujours? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça, c'est tout. Bon. Ok, je vous ai emmené. Bonjour. Première avenue Charles Mosley, s'il vous plaît. Ça vous dérange pas si je mets la radio? C'est bizarre, je me souviens pas de quoi c'est ici avant. Bah, pourtant c'est là où travaille ma femme. C'est loin d'ici. Non, on est bientôt arrivé. Au système de domination blanche. Et comme explique l'historien d'Amérique. Des bateaux qui faisaient la course des épices et qui montraient du scorbut. Voilà, arrivé. Même ils avaient l'interdiction de parler aux quelques. Bien sûr, parce qu'ils étaient calvinistes. On est arrivé.
Comment ça, on est arrivé? Rien ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Je vais dans la salle de bain, je prends mes affaires, je tombe sur ta boîte, elle est vide. Et alors, j'en ai besoin. Mais c'est une blague. Mais tu comprends pas, moi j'en ai besoin. C'est bon, je me barre. Mais vous êtes qui, vous? C'est quoi ces conneries? Je suis une collègue de votre femme, tout comme Imen. Votre femme était médecin. Elle travaillait en collaboration avec le centre hospitalier spécialisé dont je suis directrice. Mais c'est n'importe quoi, ça! Et vous, lâchez-moi! Elle a fait appel à nos soins car vous deveniez de plus en plus violent. Mais c'est rien du tout! Nous vous avons donné un nouveau traitement afin de faire disparaître vos excès de colère. C'est vrai, ça? Mais attendez, il y avait des effets secondaires qu'on n'a pas pris en compte. Mais tu fais quoi là? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas où? Mais tu fais quoi? Après ce que vous avez fait, j'ai donc été appelée la police pour essayer de proposer une nouvelle méthode afin de vous ramener ici sans risque. Je suis désolée, mais cela devait se finir ainsi.